Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, on se retrouve pour un haul action. Ça faisait quelque temps que j'avais pas été, ou du moins j'avais été peut-être il n'y a pas si longtemps, mais j'avais rien trouvé. Bref, donc là, j'y étais, voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé certaines petites choses qui m'ont fait plaisir et à mes enfants aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais commencer par tout ce qui est grignotage et après j'irai dans le make-up, voilà, dans tout ce qu'il peut avoir hors grignotage. Donc je commence tout de suite, j'ai pris ça, c'est des Milka Sensations avec l'intérieur fourré chocolat. J'ai pris tablette de chocolat comme ça, c'était triple caramel. Hop, j'ai pris ça. Alors là, c'est mes enfants qui ont craqué quand ils ont vu ça, du moins même ma grande. Elle m'a dit « Ah maman, ça donne envie ». C'est une nouveauté parce que moi, franchement, je ne la connaissais pas. Donc, hop, pour celle-ci, c'est marqué « With cookies » avec des cookies. Ils verront de toute façon hein, s'ils aiment ou pas, mais ça devrait être bon parce que Milka, c'est délicieux. Ici, j'ai pris ça. Donc, laissez les moelleux, vous savez, avec le chocolat à l'intérieur. On a pris cela aussi. Franchement, il est super bon, donc à ça. Après, on va dans des barres comme ça pour le goûter. Donc là, c'est carrément tout chocolat. J'ai pris ça. J'ai pris des comme ça aussi. Les Kit Kat, on connaît tous. J'ai pris des Reese's parce que mes enfants, ils ne peuvent pas sortir d'action sans des Reese's. J'ai pris ça. Ça ressemble... Ben, on verra. Parce que c'est la première fois qu'on les prend. Donc, je ne sais pas. On verra s'ils ont le goût des Lindt. Donc on verra si ça y ressemble ou pas. Nous passons maintenant du coq à l'âne, une sauce que ma fille m'a réclamée. Alors j'ai pas trop saisi, mais elle m'a dit « Maman, je veux cette mayonnaise ». J'ai dit « Ok, pas de souci ». Il y en a une autre, c'est une sauce à l'ail, etc. Brossage de dents derrière obligatoire, hein, on se comprend. Gaufres nappées goût cacao, ceux-là de chez Action, elles sont délicieuses. J'en ai déjà goûté des comme ça, mais de chez Action, c'est les plus tendres que je connaisse. Perso, même les marques, hein, c'est celle-là que je préfère. Au niveau goût, franchement bien, j'aime bien comment c'est mou. Je sais pas, moi franchement je les trouve top. Je vous les conseille, si vous aimez ce genre de choses, les gaufres comme ça au chocolat, je vous les conseille. Maintenant, c'est des chocobiscuits, ça c'est ma grande qui l'a réclamé. Et maintenant, on passe aux bêtises de fête de fin d'année, les chocolats. Donc, j'essaie de pas faire trop de bruit. Là, c'est un Père Noël et 4 boules au chocolat. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'elles sont pris encore ? Regardez comme c'est joli. Donc là, il y a un renne, il y a une maison, il y a un Père Noël, il y a un sapin, il y a un bonhomme de neige, il y a un ou. Et là, il y a encore un autre Papa Noël. Je trouve ça tellement joli que franchement, quand mes enfants ils l'ont vu, même elles ont craqué, elles ont voulu le prendre. Hop, dans le panier. Là, maintenant, pareil, elles ont aimé celui-ci. Il est tellement mignon avec son costume rouge et puis par-dessus là il y a un petit ourson, sa barbe blanche, son petit chapon avec son grelot, trop mignon, il est très très joli. Action, ils font des bons trucs hein. Parfois franchement ils font des super bons trucs, il n'y a rien à dire. Et ici la grosse tablette du chocolat, alors là, la méga tablette, ça c'est quand on sera en format famille pour la déguster. Bah, c'est la grande, il est simple comme ceci. Et là maintenant, regardez, c'est trop mignon, Choco Santa. Donc il est comme ça, je vous le rapproche d'un peu plus près. Il est trop mimi, il ressemble un peu au plus petit. Sauf que celui-là, il est plus costaud, il est plus grand. Regardez la boîte, il y a des petits dessins comme ceci. Et c'est un 200 grammes. Avec les petites cloches et tout, les sucres de canne, les boules du sapin, le renne, le petit bonhomme de neige. Voilà, on en a fini donc pour cette partie grignotage. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus intéressante. On va dire ça comme ça. Coucou, on se retrouve avec ma grande. Ça va, ma chérie ? Oui. Elle a voulu venir avec moi dans la vidéo. Oui. Donc je lui dis, bah vas-y, vu qu'il y aura des petites choses aussi pour enfants, il y aura un peu de tout, hein, du make-up, il y aura des coffrets, bref, des petites choses en fait, par-ci, par-là. Donc on commence par quoi? Je vais commencer... Toi, tu montreras ça? Tu veux montrer ça? Oui. Ok. Moi, je vais commencer déjà par ça. Donc ça, j'en ai pris deux. Les savons. Ouais. Pour les mains... Il est trop mignon, il y a marqué Merry Christmas. Donc hop, chup chit, on se lave les mains, c'est super bien. J'en avais un rouge, il était trop,
n'importe quoi. Il était top et du coup j'en ai repris deux autres différents au niveau packaging et j'ai même pris celui-ci. Donc je les trouve mignons, je cache mon bébé, du coup j'ai trouvé ça sympa et je les ai pris. Et en plus il y en a un Noël et il y en a un qui fait rectangle. Elle me tue, ma fille, elle me fait rire. J'ai pris quoi? Ça, les lingettes. Donc, j'aime trop Huggies. Et en plus, chez Action, c'est 99 centimes. Donc franchement, c'est top. Alors qu'au magasin, ils sont pas du tout à ce prix-là. Donc hop, ça, c'est blindé dans ce que mes enfants ont voulu. Et elles m'ont dit, maman, il nous faut les 4 exemplaires. Donc vous allez comprendre ça tout de suite. Regardez ce qu'elles ont voulu. Donc les bombes de bain, j'ai pris celle-ci. Après, il y a celle-ci. Celle-ci, elle est trop mignonne, elle est rose comme ça. Ouais. Et celle qu'on ne connaissait pas, je pense que c'était celle-ci. Que c'est des paillettes. Elle est toute blanche avec des paillettes vertes comme ça. En plus, elle sent bon. Ouais, l'odeur, franchement. Elle a parfumé le sac. Même celle-ci, elle sent bon. Elle sent toute bon. Celle-là, elle a une odeur différente. Elle sent le sucré, mais un bon sucré, quoi. Ouais. Franchement, elle est sympathique. J'aime bien aussi. Ouais, franchement, c'est bien. Et puis, de toute façon, elles valent trois fois rien, quoi. Alors, maintenant. 4 boules de surprise. Donc, on va tester. On va vous faire la vidéo. Si tu veux. Et on va ouvrir des petites boules comme ça. En fait, dedans, c'est des petites surprises. Il peut avoir, je sais pas moi, des chaînes, des élastiques, après, des bracelets. Tout dépend de la boule. Là, c'est mini. Voilà. Là, c'est mini. Après, on a qui encore chez? On a réponse. Ouais, réponse, oui. On entend en plus le bruit, regardez, écoutez. Donc, hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a la reine des neiges. Ok. Et la dernière, parce qu'il y avait encore 4 modèles, on a pris les 4 différents. Ariel. Et oui, Ariel qui a fait une chute, qui a plongé dans son eau, dans son océan. Ariel, la petite sirène. J'aime trop Polochon. J'aime trop Polochon. Ouais. Ouais, trop bien. Après, mon cœur. Ouais. Après, c'est bon, mon cœur, je m'en occupe de ça. Après, ça, on mon va cœur. Prendre ça. Donc, c'est des petites ouvertures de poupées log. Ça contient, donc... Il y en a une qui contient des stickers. Par contre, là, il n'y a pas de poupée l'homme, mais il y a plutôt des gommes. C'est des accessoires? Des crayons de couleur, des tailles crayons et des petits tampons. Regardez. Et c'est trop mignon. Enfin. Donc, après, on s'est pris quoi? Après, donc il y a aussi des poupées LOL. Oui. Et là, en fait, c'est que des bijoux. C'est des bracelets. C'est sympa, non? Franchement, qu'est-ce que vous en dites? C'est trop mignon. Donc elle... Moi, ma fille qui voulait les poupées LOL, en voyant ça, je lui ai pris, hein, franchement, trop bien. Donc elle contient que des bijoux. Et l'autre, elle contient un petit peu de tout, de la papeterie et tout. De la papeterie, oui, mon cœur. Sympa, il y en a une qui est bleue et il y en a une qui est rose. C'est parce cool. Que hein. C'est, ah ouais, il y a de tout dedans. Différentes collections. C'est sympa. Un scotch. Mais c'est des accessoires. Hein. Oui. Et c'est à partir de 3 ans. Après, mon amour, même qu'est-ce qu'on a petite. Oui, mon cœur. Tu t'écrases sur maman, elle est en train de s'écraser sur moi. J'ai l'habitude avec mes 3 enfants, avec les câlins, etc. Donc après, on a pris des puzzles. Il y a 24 pièces. On a acheté Happy Quick. Si, c'est ça, hein. Oui. Jiffy. Ah, bref, on a été Happy Quick et Jiffy. Et en même temps, on a été chez Action, on a trouvé ça. Et franchement, ils sont top. Franchement, ils sont top, hein. C'est le reste du Disney, ils sont très très bien chez Action aussi. Oui, donc on a pris un Winnie l'ourson. Il est beau, il est super beau en plus. Et franchement, un... il est très joli. Regardez comment ils sont beaux, franchement. Ariel, la petite sirène. Et le tarif, ça fait toujours plaisir. Et là, il y en a 50. Et là, c'est à partir de 4 ans et plus. Et là, c'était 3 ans. Hop. Et là, c'est 3 ans et plus. Ça y est, on a fini. Maintenant, on va passer à la beauté. Donc, je vais commencer un vernis, la laque de bourgeois. Tout simplement. Je croyais que c'était un labello. Comme ça, non, c'est un vernis. La couleur, je l'aime bien. Fuchsia. Fuchsia Bella, le 6. Et c'est la seule couleur que j'ai trouvé Mimi là-bas. Après. Ah oui. J'ai pris. Oui, mon cœur, sur le côté là. Non, mon cœur, c'est ici. Ah ouais, et même ici. Elle se rend compte. J'ai trouvé ça. Je vais voir ce que ça donne. Je ne connaissais pas ces masques-ci. C'est des masques qui hydratent, hein, hydrogènent tout simplement. Donc je vais voir ce que ça vaut. Masque pour les yeux, hydrate et adoucit
La peau sous les yeux. Utilisation, alors il faut laisser agir pendant 15 à 20 minutes et puis après on les retire et puis après on fait un petit peu comme ça pour que la peau boit le sérum entre guillemets qu'il y avait dedans, quoi, le produit. Et puis voilà quoi, donc on verra. Ça veut dire 5 minutes pour les laisser sur la peau? Non, il y a marqué 15-20 mon bébé, je crois, comme j'ai dit. J'ai pris ça, bon, c'est masque-ci, comme ça, de chaque couleur et de plusieurs exemplaires hein, à chaque fois. J'ai pris ça parce que ma sœur a été chez Action et elle m'a donné envie avec ses achats. Donc, vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans le sens où elle s'est pris ça. Alors, j'ai aucune idée, mais aucune, de comment ça s'utilise. Donc il va falloir que je voie avec ma soeur. Il y a marqué 7 jours de vitamines. Et en fait, c'est un traitement de 7 jours. Donc là, c'est marqué en anglais. J'essaie un petit peu de comprendre. Je vais aller à l'arrière. Et oui, vitamine Glow ampoule. D'accord. Donc c'est un soin pour le visage et pendant 7 jours. Sous forme d'ampoule. Regardez. Sympa. Franchement, ça change. Je sais pas, je vais tester. C'est assez amusant. Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Ça m'a l'air d'être assez glowy. Donc, ok. Donc, j'ai trouvé ça, ça m'a donné envie. En fait, j'ai pris ce qui me donnait envie, comme tout le monde d'ailleurs. Oh, après, c'est tout petit. Ouais, c'est trop mignon, franchement, c'est trop mignon. Petit. Qu'est-ce que j'ai pris? Regardez. Là, c'est le parfum Lulu Castagnette. C'est au top. Un 100 ml en plus. Et en général, ces odeurs-là sont délicieuses. Donc, je vais l'ouvrir. Oh, regardez. Oh, franchement, trop chou. Donc maintenant, il faudrait qu'il sente. Ah ouais, moi j'aime beaucoup les odeurs sucrées, fruitées. Et sincèrement, ça sent super bon. Elles sent super bon. Oh, super agréable. Ils sentent la rose. Ah ouais, non. Non, pas du tout. La rose, c'est fleurie. Et maman, elle n'est pas à l'odeur fleurie. Non, elle sent bon. Il me fait quasi penser à mon odeur que je prenais quand j'étais bien plus jeune. J'aimais bien quand j'allais à Sephora ou autre. J'allais aussi à. Dans les centres commerciaux comme Carrefour, etc., je prenais le jeune. Ça me fait aussi un peu penser à ça. Ah, ils sont super bons. Un parfum que j'adorais à Primark et ça sent ça. Ouais, franchement, il est cool. Hein. Ah, il est trop bien. Moi, je vous le conseille. Franchement, après, chacun ses goûts. Hein. Mais franchement, moi, j'en ai trouvé un autre. Là, c'est de Christina Aguilera. Donc, il y a la marque Touch of Séduction. Ok, d'accord. Donc en fait, il y a un gel douche de 50 ml et il y a son parfum. Ça doit être la même odeur. Et on va voir comment il sent. Déjà, je vous montre la bouteille qui est comme ceci. Elle est tout juste magnifique. Regardez, il y a même du tissu collé dessus, bien fait, du relief, quoi, tout simplement. Elle est vraiment très très jolie. Maintenant, sa senteur, elle m'a l'air d'être. Non, il sent trop bon. Waouh! Et franchement, pour du parfum qui n'est pas du parfum entre guillemets qu'on achète en parfumerie, c'est ça que je veux dire. Bon, après Christina Aguilera, on la connaît tous. Et ben, il a une odeur au top. Ah ouais, non, franchement, mais elle a fait un bon parfum. Sucré. Ah ouais, elle a fait un bon parfum. Et lui, 50 ml. Et le gel douche à côté. Bonbon, comme ceci. Et dedans, je crois que c'est du gel douche, etc., etc. On ouvre, on découvre. Et je trouve ça sympa. Alors, je vous l'approche. Comme ça. Ah, ici, c'est et dedans, ils nous disent, oui, je vais vous le dire tout de suite, il y a un gel douche 50 ml, une lotion pour le corps 30 ml, après un gommage pardon, pour le corps 50 ml, et après une crème pour les mains de 30 ml. Génial. S'ils te sentent bon en plus, franchement, jackpot, j'ai envie de dire. Allez, ça c'est bon, on met tout ça là comme d'habitude et on ramassera après. Regardez ce qu'on avait oublié de vous montrer. C'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est ma fille? C'est un ourson qui change à chaque fois de couleur. Alors tu peux nous montrer les couleurs maintenant, ça serait bien. Allume-le, on a fait exprès de mettre les piles. C'est trop mignon, je l'ai trouvé chez Action. Ouais, bah oui, c'est un haut Action, n'importe violet, quoi. Rose. Regardez, rouge, orange, c'est trop mignon. Jaune, vert, bleu. Bleu, violet, bref, il fait plein de couleurs. Je trouve ça super sympa. Il y avait d'autres animaux, mais c'est celui-là que j'ai préféré. Moi, j'ai préféré l'ourson, hein, mon bébé. Beaucoup aimé. Franchement, un très, très bel ourson. Bon, ben voilà. Ok, mon cœur. Tu veux le laisser allumer un petit peu? Tu peux le laisser là, si tu veux.
trop bien. Elle est contente. C'est ses autres sœurs aussi qui vont jouer avec. Revenons à nos moutons. On va revenir à, on va dire, aux soins, etc. Alors maintenant, regardez ce que j'ai pris qui me donne envie de tester. Du moins quand, je sais pas, parce que j'ai des palettes que j'ai achetées je ne sais quand. Je les ai même pas testées. Donc en gros, j'ai pris des palettes, vous savez, les Max & More. Je les avais swatchés, certes, mais les utiliser pas une seule fois. Donc, bref, sans commentaire. Moi, ça me donne envie. C'est quand quelque chose me donne envie, je vais l'acheter. Après, c'est plus, je suis plus une collectionneuse dans l'âme, on va dire ça comme ça, plus que ce que je ne mets sur mon visage. Donc, celle-ci, c'est les nouvelles palettes. Déjà, je vous la montre. C'est comme ça. Donc, la palette pour les yeux, bien sûr. Et à l'intérieur, il y a même un miroir. C'est trop bien. Et il y a même des petits pinceaux. Après, celui qui veut s'en servir, il s'en sert. Celui qui ne veut pas, ne s'en sert pas. Mais les couleurs, franchement, trop bien. Niveau pigmentation, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Ça donne ça quand je fais le petit swatch. Je vais mettre ça sur ma main et vous allez voir tout de suite. Il y a deux petits pinceaux dedans. Elles sont quand même pas mal pigmentées. Et même, et là, j'ai même pas d'effet poudreux. Donc c'est cool. Ouais. Ils sont trop bien pigmentés. Là pour l'instant, je lui donne une bonne note sur ma main, du moins en swatch. Oui, trop bien. Ok, alors j'ai pris ceux-là maintenant et après on a fini. Ce sont des lipsticks. Donc je les ai pris plus ou moins nude. Ici c'est nude, nude, nude. Et là, ça, c'est des couleurs vraiment très foncées. Donc je vous montre le petit coffret. Comme ça. Et après, regardez celle-ci. Une beauté. C'est celle-ci que j'ai beaucoup aimée. Donc franchement, c'est des petits rouges à lèvres et couleur nude comme ça, franchement trop bien. Après, il faut voir ce qu'ils ont dans le ventre. Je vous en swatche un. C'est des mini, ils sont comme ça. Mais on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et ils m'ont ils m'ont l'air d'être semi-mat, pas le extrêmement mat, mais à la fois crémeux et mat. Regardez. Donc là, c'est une des couleurs. Et franchement, je suis trop contente de les avoir pris. C'était celui-là que je vous avais swatché. Regardez, il est comme ça. Il est petit, hein, il fait la taille de mon pouce. Regardez, comme ça. Bon, ben on en a fini pour cette vidéo, ce haul. En espérant qu'il vous ait plu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de haul action. Je vous dis à très, 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 très bientôt. Surtout, surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Je suis désolée, j'avais complètement oublié de vous le montrer. C'est un coussin. Un coussin tout simplement, mais sa couleur est tout juste magnifique. Regardez, il est couleur gris comme ça. Super beau. Il est doux, mais d'une douceur, mais magnifique. Ce coussin est sublime. Franchement, trop trop bien. Et derrière, par contre, il est comme ça. Au niveau du coussin, derrière, je ne suis pas très fan, là, comme ça. Mais ici, c'est pas possible, quoi. Il est juste magnifique, d'une douceur waouh, 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 en dégradé gris comme ça. Moi, j'ai craqué, voilà, tout simplement. Maintenant, ben, je suis désolée, j'avais oublié de vous montrer pour qui ça intéresse. Donc, je vous fais de très, très gros bisous encore une fois. À très bientôt et surtout, portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.